C'est pas mal. Bon. Bonjour, 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 bon dimanche. Bon dimanche à mes impactés, bon dimanche à tout le monde. Merci déjà. Nous, on est tranquille à la maison. C'est la jazette du dimanche. Malika, Lorian Bayoro, Ayo Hato, comment va? Bon. Oh, merci. MK Mélodie, Mélodie, merci. Marie-Laure Kwame, Ruth, Mélissa Tano, Edith, merci beaucoup. Ah, déjà, vous êtes assez nombreux. Bon. Bon. Merci. Nous, on est tranquille à la maison avec la petite soupe du dimanche. Oh, Bertine Payette, comment va? Merci beaucoup, Yann Annick. Tina, comment vas-tu depuis Ottawa? Tu vas bien, super femme. Merci, merci. Edwige Dogba Lam. Ruth Mélissa Tano. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est gentil à vous. Oh, Lydie Okema. Lydie Okema, il faut que tu rentres en contact avec moi. Hein. Laisse-moi un message sur mon chose. Je veux voir, tu es où? Tu es de quel côté? Vous avez mis, j'ai mis le ticket pour Omega David. Oui, ah, Tina, petite soupe. La soupe chaude du dimanche, les escargots avec les poissons fumés. Petite sauce claire, comme au pays là, vous voyez, non? Aïe, papa le roi, il est assis, il a télémoyé sa soupe. Ah, il est quelle heure? Il est 13h42. Il a fait sa propre, chap chap. Oui, c'est très bon. Edith, ça donne envie. Oui, c'est très bon. Comment va, Manflo? Merci beaucoup. La soupe. Les bons poissons. Les champignons fumés. En tout cas, une bonne soupe. Les escargots de ça. Maman. Non, aujourd'hui, il fait un peu beau quand même. Ben, c'est pas beau. Le temps est maussade. C'est gris. Il y a un peu de grisaille dehors. Mais bon, il fait pas trop froid. Malika, ok. Ok, j'ai regardé si. Audrey, Annie Audrey, comment va? Grâce Maëva. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci à vous, merci, merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Tout et tout, partagez déjà le direct. J'ai pas encore commencé à parler, mais partagez, on va rire un peu. Et puis bon, j'ai quelque chose à dire à la sœur aussi. À la sœur coach Imonde Chic, j'ai quelque chose à lui dire. Je vais même pas m'attarder sur elle. Ouais, comme on dit, quand tu... Oui, la fille des aides. Je suis la fille de mon père. C'est vrai. Merci beaucoup. Rien, ça va. Oui, maman na Canada, premier pays au monde, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est du sérieux. Oui, le dimanche, oui, parfois c'est bon de prendre du bon temps. Hey, affairage, comment on va faire? Il dit, bon, il y a affairage même, il y en a. Il y en a, chacun regarde où il veut et puis il se positionne là. Donc, c'est ça. Oui, les bons condiments du pays. J'ai dit que la bonne saveur là. Les petits, elle a tout mis dedans. Les adieux, vent, les coco, quoi, tout et tout. Elle a tout mis dedans. Donc là, j'ai fini de faire la cuisine. Tout est embaumé d'adieux, mais il y a au moins 4 bougies de 4 côtés de la maison. Donc, la senteur va revenir. Merci beaucoup, hein, merci. Je vous aime, merci. Mes amis, merci beaucoup pour la personne qui m'envoie déjà, qui m'envoyait assez de cœur. Ouais, Ayo, Berou, Lune d'éclair, Ayo. Le WhatsApp, ok. Anyway, attends, je te mets là. Ouais, pour ceux qui sont intéressés, comme j'ai dit pour le concert d'Omega, j'ai 10 tickets. Voilà, rentrez en contact, je connais quand même. Mes choses, mes impactés très très fort là. 570 83 97.
Ok, le numéro est là. Kofi Kofi, comment va? Je vais épingler. Épingler ce commentaire. C'est bon, papa, c'était bon? Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup, merci. Je vous vois déjà connecté, tout et tout. Vous savez, dans la vie, quand tu as, comme on dit, partagé déjà le direct, je sais que le nom des personnes que j'ai mis, ces personnes sont déjà là, c'est correct. Ouais, on dit souvent que parfois, quand tu regardes quelqu'un de loin et puis tu as quelque chose à dire à cette personne, c'est pas au moment où tout le monde est sur la personne là que tu vas venir lui dire ce que tu penses. C'est pour ça que sur la coach, je vais juste prendre peut-être une ou deux minutes maximum. Je vais pas m'attarder sur elle. Puisque elle-même, elle a déjà demandé pardon. Elle a demandé pardon. Moi, j'ai pas écouté son direct. Pour être honnête avec vous là, la coach, moi, je vois ses vidéos que dans les fils d'actualité et puis dans le temps, mon mari la suivait. Il a suivi. Faut dire la vérité, il la suivait. Donc, de temps en temps, il m'envoyait ses trucs et puis on rit. Voilà. Surtout quand elle fait un peu d'humour dans ses trucs. Donc, pour dire que je suis sur sa page et puis je suis ces choses, non. Faut pas mentir. C'est dans mes débuts, je l'avais une fois tagué dans une vidéo, quand elle avait fait une vidéo sur l'inceste, que j'avais apprécié. Ça, j'étais encore dans mes débuts, pas plus de 1000 abonnés. Puis je l'avais apprécié. Là, les gens m'ont mis en commentaire. Tu cherches, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu cherches vue, tu cherches pour qu'elle te connaisse. Ah, c'est là que j'ai dit, ah bon, donc quand on tag quelqu'un qui a fait une bonne vidéo, c'est là que j'ai compris le principe de dire le nom de quelqu'un, ça veut dire que tu veux que la personne te remarque depuis ce jour. Plus jamais, si vous avez remarqué, j'ai jamais fait allusion à elle dans mes vidéos. J'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'aujourd'hui. Bon, il y a eu ce qui s'est passé, j'ai pas écouté la vidéo partout, je sais, mais c'est juste... Quoi, par rapport à tout ce qui s'est dit, que j'ai compris que bon, il y a eu une erreur de langage, tout et tout. Elle s'est déjà excusée. Dans la mesure où elle s'est excusée, je pense que la polémique devrait cesser. Moi, je me joins à elle, je me joins au peuple ivoirien aussi pour présenter des excuses à toute la communauté guinéenne. Ouais, selon ce qu'on a dit, je crois que c'est une Sénégalaise qui a appelé. Et puis bon, la communication a déraillé tout et tout. Donc, nous, on se joint à elle, oui. Si déjà elle a présenté des excuses, c'est correct. Mais si elle a présenté des excuses, je vois encore des gens de notre communauté, des Ivoiriens, vous mettez la page, vous insultez les gens. Non, si c'est elle qui est en erreur, on ne doit plus insulter. Même si les gens d'en face insultent toujours, nous, on doit toujours demander pardon. Voilà, l'erreur humaine. Voilà, si tu as tort, hein, si tu as tort, là, que l'adversaire, celui auquel tu as fait le tort, il déraille tout ce qu'on fait, c'est pardon. On continue dans cette lignée de pardon-là. On ne vient pas encore pour insulter. Donc, si on insulte, là, ça veut dire que ce qu'elle a fait, c'est bon. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc, mais je vais faire une petite parenthèse. Oui, c'est vrai. Mais la coach, je suis désolée, mais à un moment donné, je te le dis ici, je suis en train de le dire là. Ils vont te transmettre mon message, c'est sûr. Tu as besoin d'aller te former un peu. Je te dis, tu as des millions de vues quand tu as fait des vidéos qui ont eu des millions de vues. Tu es suivi quand tu fais tes directs. Tu accroches du monde. Ça veut dire que tu as un don particulier en toi. Tu as un don. Voilà, ça là, c'est indéniable. On peut te reprocher. Parce que quand on fait des remarques, on dit non, elle est jalouse. J'ai dit que moi, la fille de mon père, assise ici, par terre, je ne suis jalouse de personne sur les réseaux sociaux. Parce que ma vie qu'elle mène au Canada, là, c'est pas une vie de quelqu'un qui va envier quelqu'un. Voilà, vous comprenez? Mais tu as déjà ton monde. Tu as déjà, ça dit, tu as du bagou. Tu as quelque chose en toi de spécial. Donc, ça te prend une instruction un peu. Il faut que tu ailles te former un peu. Ça va t'aider à certains niveaux. Parce que moi, il y a certaines de tes vidéos que souvent on envoie. Juste ta façon de parler aux gens dans tes directs. Ça dit, quand tu vas aller faire la formation, tu vas voir que quand telle personne t'explique le problème, il y a la façon de parler. Surtout que c'est devant du monde. On peut parler oui, comme ça. Peut-être que dans les inbox, tu as une façon de parler, c'est correct. Mais moi, je parle de comment tu parles parfois? Les dérapages, tu en fais souvent beaucoup. Faut le dire. Tu en fais. Les gens qui sont contre tout et tout vont me dire, elle est jalouse ou bien vont dire tout ce que vous voulez. Mais ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, peut-être qu'elle va tirer le positif de mon message. Il faut aller t'instruire pour pouvoir, c'est-à-dire quand quelqu'un t'expose le problème, pour déjà, c'est-à-dire au niveau de la communication, pour essayer de voir comment tu peux essayer d'arranger ça. Mais très souvent, on n'a pas remarqué. J'ai vu un jour dans un de tes directs très longtemps, bon, tu as traité quelqu'un de gougandine, tout et tout, tout ça, tu le fais. Mais ça passe parce que tu es suivi. Donc, ces gens-là, quand ils te suivent là,
ils ne voient pas les failles. Mais nous qui sommes ailleurs, ça dit un peu loin de toi, on voit ça. Ça va t'aider. Ça va t'aider, maman. Je n'ai rien contre toi. J'ai beaucoup de sympathie pour toi de loin. Mais c'est la réalité que je suis en train de te dire. Parce qu'il y a des sujets que tu traites parfois. Je me rappelle une fois où tu avais traité un sujet. Un homme qui n'a pas l'argent, qui va, il ne doit pas. Je ne vais même pas prononcer ça. Ça, désolé là, ça m'a dérouté. Oui, ça m'a dérouté. J'ai dit, ben, pour quelqu'un qui est suivi, quelqu'un qui, tu comprends? Quelqu'un qui apporte quelque chose dans les couples, ça, ça ne se dit pas. Tu l'as dit et tu es revenu, tu as bissé. Tu as bissé, c'est correct. Ça, c'est déjà passé. Mais il y a plusieurs erreurs de langage que tu commets comme ça. Et aujourd'hui, tu as vu ce que ça donne. Tout un peuple est sur toi. Moi, je suis là pour vous demander pardon, le peuple guinéen. Surtout quand il paraît que c'était au téléphone, tout et tout, que c'est parti. Donc, laissez tout tomber. Laissez tout tomber. On est tous africains, nous sommes des sœurs. Ne prenez pas ça aujourd'hui pour en faire un drame. Surtout les blogueurs guinéens, tout et tout. Laissez tomber. On est en famille, ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais le côté, ben, j'ai vu dans un truc, tu as dit, les gens disent, mais pourquoi tu ne vas pas dans un cabinet pour faire? Mais tu as déjà ton monde. Bientôt, tu vas atteindre ton 1 million d'abonnés. Donc, ça veut dire que tu as déjà ton monde. Le fait que tu vas aller prendre des cours spécifiques dans le domaine qui t'intéresse, là, ça va t'aider. Même dans les cabinets, tu vas avoir ton monde. De temps en temps, tu peux faire des sorties sporadiques sur le net. Ça va t'aider. Mais de là, ce que, bon, chaque fois, il y a des erreurs comme ça. Quand ça se répète, tu perds ta crédibilité. C'est pas bon. Tu es déjà bien. Nous, on t'aime comme ça, tout et tout. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est notre sœur. Elle est dans l'eau chaude. On n'a pas venu la descendre. Elle dit, donc, tu étais là, tu l'as guettée avant. On ne guette pas personne ici, pas toutes. Merci beaucoup. Mes amis, on va rentrer maintenant dans le Congo, ça. La bataille est direct. Hein? Maman, qui m'a couché? Attends, il y a pas la petite sauce claire. Le temps que vous partagez, et puis on va passer là-bas des mille. Hein? Je ne comprends pas pourquoi le monsieur a mangé la sauce, la tête baissée, quand tellement c'est bon. On l'aime bien, on aime Coach Emon. Moi, je l'aime bien. Je la suis comme ça de loin. Et puis bon, ça va. Ok. Merci beaucoup, mes amis partagés. On est presque 1000. La vidéo, parce que moi, je parle toujours d'affaires de e-vidéo. Moi, je parle toujours d'affaires de e-vidéo. Mais quand on parle là, vous trouvez que c'est parce qu'on n'aime pas la personne. C'est ça qui revient. Hein? Vous trouvez toujours, ok, vous trouvez toujours que c'est parce que la sauce là était bonne, la sauce est bonne. Ah, mania, la sauce est trop bonne. Vous trouvez que c'est parce qu'on n'aime pas Ividero, c'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. La dernière vidéo que j'ai fait sur elle, c'est quand elle a fait les trucs sur sa servante. J'ai dit ça, il y a des gens encore qui sont venus pour contester, pour dire tout ce que... La vidéo dont je viens parler aujourd'hui, vous l'avez écoutée. Si vous ne l'avez pas encore écoutée là, allez sur Hit de Babi. Hein, parce que quand nous, on met sur nos pages, vous trouvez que nous, on fait Congo ça. Quand je me suis réveillée là, comme je vous ai mis le poste là, je ne suis pas partie dans leur famille à Noumambo là-bas pour prendre le sujet. Ou bien dans la cour familiale à Bobo. Ce n'est pas là-bas que j'ai pris le sujet. J'ai pris le sujet sur le net comme tout le monde. Donc, si vous voulez écouter cette vidéo dont je parle là, allez. J'ai changé. Pourquoi elle prend tout mon temps sur Coach Emon? J'ai changé. Donc, allez sur la page de, comment on appelle ça, Hit de Babi. Et puis, allez chez Soulé de Paris. Soulé de Paris, là. Ça est là-bas, la vidéo. Mes amis, c'est la tante de Ividero. J'ai écrit son nom quelque part. Maman Lévry de Grand Laou. C'est son nom. C'est une grande tante. C'est une maman même. Elle peut être même de la génération. La vidéo de la tante de Ividero. Elle peut être même de la génération de ma maman. Par exemple, le visage, j'ai vu là. Et puis c'est pas une n'importe qui, hein, mes amis. Elle dit que elle a fait les trucs avec Paco Rabanne. Elle est un ancien mannequin. C'est pas du Nyamsele. Par exemple, le français qu'elle parlait dedans là. Amounia. J'ai dit, j'ai rien dans la bouche de la femme là comme ça. Ah, ok. On aime, nous tous, on aime ça. Donc, elle dit qu'elle était un grand mannequin. Elle a fait Paco Rabanne. Elle a fait, comment on appelle ça? Elle a fait le mannequinat à Abidjan. Elle a fait le mannequinat à Paris et puis en Allemagne là-bas. Donc, mes amis, c'est une dame très sérieuse. Vous comprenez, non? Donc, les gens ont écouté. Parce que quand on met cette vidéo sur la page,
Vous ne comprenez pas pourquoi maman Lévry de Grand là où c'est comment j'ai l'appelé. Pourquoi maman est fâchée? La tante de Yves Dero, tanti était très fâchée. Tanti après. Vous savez, quand elle parle, elle me rappelle qui? Elle me rappelle la grande sœur Béa Coucougnon de Paris. Vous voyez un peu le même style là. Les mamans choquants qui ont fait la vie, qui connaissent les, Christiane Lévry. Merci. Ah, yo, vous m'avez donné le nom. Et regardez sa manière de parler dans la vidéo. Hein. C'est comme la grande sœur Béa Coucougnon à Paris, là, les choquants là. C'est quoi, elle a fait la vie et puis le choquant est resté sur là. Eh, c'est ça. C'est ça, tchop. Parce que quand je l'écoutais, j'ai dit, mais j'ai dit que le fruit tombe pas loin. Hein. Peut-être qu'elle parlait là, j'ai dit Yves Dero. Donc ça veut dire que tu as enlevé ça aussi dans la famille. Mais quand il y a la tante là, c'est vrai, elle était fâchée, mais il y a la comédie. Et puis les deux même se ressemblent tout et tout. Bref, c'est ça. Mais ce que la tante a reproché à Yves Dero, partager la vidéo. Vous comprenez? Ce que la tante dans sa vidéo là, elle a fait passer. Ça dit que Yves Dero a fait une vidéo à Dakar, où Yves Dero est là-bas. Donc Yves Dero a fait passer une dame pour sa tante, alors que cette dame-là ne fait pas partie de leur famille. Ça, c'est un. Maintenant, après ça, elle dit que dans leur famille-là, il n'y a pas de musulmans dans leur famille. Mais quand Yves Dero parlait dans son direct, quand tu as fait les Congos, ça là, il faut aller regarder des deux côtés. Donc, je suis allé regarder aussi. Effectivement, j'ai vu le direct. Dans le direct-là, Yves Dero a présenté une personne qui fait comme si la personne fait partie de leur famille, alors que la personne ne fait pas partie de leur famille, pas toutes. Donc, la tante n'a pas apprécié ça. Maman Christiane Lévry n'a pas apprécié. Elle a même dit le nom de son père. Elle a dit le nom de où elle est, comment on appelle ça, à Dakar, là-bas. Sa maman est née à Dakar. Bref, elle l'a précisé. Elle a fait l'arbre généalogique même de la famille. Vous comprenez, non? Vous riez, c'est ça que... C'est comme ça du dimanche, non? Donc... C'est comme ça que, ça c'est le deuxième truc, que dans leur famille là, il n'y a pas musulman là-bas. Donc, c'est Yves Dero seul qui est parti être musulman. Elle sait pourquoi elle est partie être musulman. Donc, il ne faut pas qu'elle va empester la famille avec ça. Vous comprenez? Ensuite, ça c'était le troisième élément. Le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que Yves Dero n'a pas dit, ça dit que quand ils étaient en train de faire leur Congo, ça, tout et tout, elle n'a pas dit... Paix à son âme, à elle, sa maman, qui est décédée, ça peut faire 18 ans. Ah, mounia. Bon, 18 ans, quelque chose qui est passé, il y a vieux, c'est vrai. C'est sa maman. Donc, elle n'a pas apprécié qu'on vienne perturber la mémoire de sa maman comme ça, sans dire paix à son âme. Ça, c'était le troisième point. Donc, bref, elle a exprimé son ras-le-bol, hein, parce que quand elle a parlé là, elle a dit que taguez-moi Yves Dero. Oh, que oui, 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 oui. Elle l'a tagué bien raide. Mais au début, quand elle a parlé, j'ai dit, ah, la maman aussi, on dirait qu'elle est habituée au direct, hein. Mais on dirait qu'elle est habituée, on dirait qu'elle est directe. Et elle, là, ben, pour faire les directs, pour accrocher le monde, il faut avoir quelque... Il faut être habituée. C'est là qu'elle a dit, oui, 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 que elle, là, elle est habituée au direct. Hein? C'est pas... Apparemment, c'est pas le premier direct. Parce que le direct aussi, là, elle taguait des personnes. Elle disait, et c'est comme je dis, je tague Sylvain Mars, ou bien je... En tout cas, elle était à l'aise dans le direct. Donc, c'est là qu'il a compris, qu'elle dit, ah, d'accord. Donc, la maman, elle sait ce qu'elle dit. Que Yves Dero arrête de vilipender la famille. Vous comprenez? Que Yves Dero arrête de vilipender la famille. Elle dit que, voilà, c'est ça, elle a travaillé même avec Bernard Tapie. C'est ça, parce que c'est le nom du monsieur. Il dit, chut, Bernard Tapie, le grand homme de Marseille, là. C'est lui, elle a travaillé. Ah là, ah là, ah là, ah là. C'est que vraiment, ah ça. C'est pas, en tout cas, c'est pas une yamselle, c'est pas, oui, parce que ces gens des tantes là, quand tu les as dans les familles, fais attention, hein, c'est pas être toutes les tantes dans les familles, moi-même dans ma famille aussi là, il y a une tante comme ça, tu peux faire toutes tes ourourous là, mais le jour tu tombes sur elle là, ah, pour te relever, ça va être difficile, hein, on dirait que tante Christiane est lévrie, on dirait que c'est comme ça, elle est dans la famille, vous comprenez, non, mais la façon dont elle parlait là, c'est comme si, ça dit, Yves aussi, c'est sa bonne petite dans la famille. Parce que c'est comme si Yves a problème avec tout le monde dans la famille. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée. Depuis, il y a que Yves a fait le direct. Elle est appelée de partout.
Tous les cousins de Ivy, les cousines l'appellent pour dire, Tanti, voici ce que ta Ivy l'a fait. Tu as vu, hein? Il faut lui parler, parce que c'est toi qui t'entends avec elle. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça que elle est venue pour donner un avertissement. Mais on a posé question à Tanti Christiane Lévry. On dit que, mais, tu peux pas aller régler ça en famille. Elle a dit que, mais quand Ivy fait les directs là, et puis elle parle de notre famille là, je crois que vous applaudissez là-bas, que vous êtes content. Quand elle dit mes élites là, vous êtes content. Donc, si c'est sur la place publique, que Ivy Dero est venu parler, moi aussi je vais sortir sur la place publique. Et puis Tanti a dit que elle est porte-parole de la famille. Comme le frère Marc Zopo. Voilà, c'est voilà, je dis. Quelle est porte-parole? Je dis donc tous les porte-parole de la famille. C'est sur Facebook ici. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, c'est à elle, ils ont fait la commission. Partagez les directs de personnes, 1300 partagés. La go. Je dis que porte-parole de la famille. Je dis donc qu'on va avoir deux porte-paroles. On a déjà le frère Marc Zopo qui ne s'en sort pas. Que quand maman Tina sort sur lui là, c'est là qu'il vient, il se plaît. Si, bah, il a dit quelque chose un jour qui m'a fait pitié. Il m'a dit, si au moins ma nièce Tina m'insulte en famille, je peux comprendre. Mais elle m'insulte publiquement. Donc maman, ça dit que maman Lévry Christiane est venue pour dire qu'officiellement, elle s'est déclarée aujourd'hui être le porte-parole de la famille de Ivy Dero. La gloire. Donc, elle dit que Ivy cherche la gloire. Oui, Ivy cherche la gloire en dénigrant la famille. Elle n'apprécie pas ça du tout. Que Ivy n'a qu'à arrêter ça. C'est pour ça qu'elle est venue lui donner un ultimatum. Donc, il faut que Ivy arrête ça. J'ai si vous écoutez la vidéo, sur la page des souris de Paris, vous allez rire. Même Yves de Babi, ça est là-bas. C'est pas possible. Donc, et que Ivy ne respecte pas l'ordre normal des choses. Ce sont ces propos que je répète. Je suis en train de faire le décortiquage de la vidéo de Maman Christiane. Vous comprenez? Donc, que Ivy ne respecte pas l'ordre normal des choses. Vous comprenez? Et que tantôt, Ivy est béninoise. Tantôt, elle est avicam. Mais Ivy, qui es-tu? Ange ou démon? C'est ce qu'elle a demandé à Ivy. Tu es qui au juste? Tu es un ange ou tu es un démon? Bon. Bon, Ivy n'a pas répliqué. Ivy n'a pas répondu. Donc, et que dans leur famille, il dit chaque jour on ne dort pas. Il y a toujours quelque chose. Et que dans leur famille, on est catholique de père en fils. Personne n'a jamais changé de religion. Vous comprenez? Oui, d'accord. Il y a changé de religion. Est-ce que ça lui donne le droit de venir empiéter sur leur vie? Voilà, c'est les propos qu'elle a dit. Donc, il vient changer de religion et elle vient pour empiéter sur leur vie. C'est-à-dire, elle est saoule avec sa religion qu'elle a changée. Vous comprenez? Tanti problématique, Elisa Ndiaye, merci beaucoup à toi, ma personne. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'elle est venue expliquer ça. Ivy peut faire son humour. C'est ce que Tanti a dit. Soit Tanti Bao. Chez nous, on dit soit Tanti Bao. C'est ce que Tanti a dit. Tanti dit que Ivy continue de faire ton humour. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et que quand Ivy parle, c'est comme si elle s'est faite toute seule. Mais quand c'est les problèmes. Tout ce qu'elle dit, c'est ce que Tanti a dit. Hein. Que quand elle souffrait là, Tanti était en bas pour souffler le bonheur, pour que sa fille vienne en haut. Bon, aujourd'hui, sa fille a réussi. Des mamans sortent de partout, tout et tout. C'est ce que la chose a dit. La Tanti a dit. Donc, épargne la famille de ton humour. Parle avec tes élites là-bas. C'est ce que Tanti a dit. Que parle de tes trucs à tes élites, à tes quoi là-bas, tes étoiles. Ne nous mêle pas ça. La famille a assez souffert avec toi. C'est ce que Tanti a dit. Donc, elle n'est pas contente. Mais elle a même précisé, hein, il y a ton cousin Willy. C'est ce que Tanti a dit. Tanti dit que quand tu faisais le direct là, le cousin Willy t'avait donné un avertissement pour dire qu'il t'attend au tournant. Elle a dit que sur le direct, tu avais vu Willy était là et Willy t'avait donné un garant que toi est vide, tout et tout. Donc, que Willy, oh, tout le monde, oh, tous ceux-là, eux tous, ils l'ont appelé. Donc, c'est pour ça que Tanti est sorti aujourd'hui en tant que le porte-parole de la famille pour te parler. Qu'il faut arrêter ça. Elle n'apprécie pas ça.
Et que tu te trouves des mamans à gauche, à droite, tout et tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme elle a dit, tu règles les problèmes de famille en vidéo. Tous les problèmes de famille en vidéo, tu règles ça en vidéo. Donc, c'est pour ça qu'elle, désormais, en tant que porte-parole de la famille, elle est venue régler ça en vidéo. Donc, vous qui vous posez la question, pourquoi Tanti ne peut pas régler en famille, Tanti ne peut pas appeler sa fille, tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'elle, désormais, c'est parce que Ivy aime les vidéos. Elle règle en vidéo qu'elle, Tanti, en tant que porte-parole de la famille, elle est sortie pour régler ça en vidéo. C'est ce qu'elle a dit. Je n'abuse rien. C'est ce que Tanti a dit. Allez écouter la vidéo de Tanti. C'est ce que Tanti a dit. Je fais que mettre de l'humour pour transformer. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien chose. Vous comprenez? Donc, et que elle a déjà déposé Ivy sur le toit d'Abidjan. Je dis, j'étais par terre ici. Aujourd'hui, il y a deux vidéos qui m'ont fait rire. C'est de Yaka Yaka. Je dis, Yaka Yaka. Lui, là, il doit aller faire de l'humour. Il doit aller faire de l'humour. Quand il imite, là, ça fait rire. Et puis maintenant, cette vidéo, Tanti dit, toi, Ivy Dero, je t'ai déposé sur le toit d'Abidjan. Ça, là, est-ce que je mens? Hein? C'est ce que Tanti a dit. J'ai dit, ouais. Tanti a vraiment fait la vie, hein. Parce qu'elle parle là. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Elle a dit que, Ivy, tu ne peux pas changer l'histoire de la famille. Hein? Tu viens tantôt pour dire que c'est comme ça, c'est quand la famille, il faut arrêter. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la mamaille, c'est de la manipulation. Tu viens pas pour changer l'histoire de la famille. Parce que l'histoire de la famille est déjà implantée, elle est ancrée. Donc tu viens pas pour la modifier. Donc Tanti n'a pas apprécié ça, c'est pour ça que Tanti est sortie. Parce que cette histoire de la famille là, c'est dans le direct que tu avais changé ça. Quand tu avais pris une tante qui n'a rien à voir avec votre famille, et puis tu es venu devant avec tes étoiles pour dire que oh voici tante, 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 voici tante, alors que la tante ne fait pas partie de votre famille pas toutes. Donc c'est ce que Tanti, Maman Lévry de Grand Laou n'a pas apprécié. Maman Lévry Christiane, elle n'a pas apprécié. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Voilà, c'est ça. Où elle a parlé du cousin Willy. Cousin Willy, oui, c'est ça. Elle a dit, William n'est pas content de toi. Mais elle a dit aussi, Ivy, comme tu ne sais pas d'où tu viens, elle va te dire où tu vas. Elle était venue pour te dire ton vrai nom. Elle va venir pour te dire, tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, elle va venir pour te dire ton vrai nom. Et je crois que c'est ton vrai nom qu'elle était venue te dire. Vous comprenez? Lévry, Maintenant, quand tu partais là-bas, je mets les grands lignes et puis je me rappelle de ça. Quand tu partais rencontrer Suzanne. Mais elle a prévenu Suzanne. Elle a dit à Suzanne, Ivy arrive là-bas, fais attention. Faut pas que Afé va quitter là-bas pour venir ici. C'est ce que Tanti a dit. Et à Suzanne aussi, elle a dit, mais on t'a mis devant, tu sais pas que c'est pas on veut te prendre. Parce que Ivy, c'est sûr que la façon dont Tanti a parlé, quand Ivy a changé de religion, ça n'a pas été apprécié dans la famille. Donc, c'est ça qu'elle est en train de dire à Suzanne. Tu penses que Ivy s'en va là-bas, là-haut, c'est parce qu'elle t'aime. Ou bien c'est parce que toi et puis Ivy, vous êtes comme l'œil et puis le sommeil. Chez nous, on dit gras et guisson. Vous voyez l'œil et puis le sommeil. Non, tous, ils sont en camaraderie. Ils vont faire par la bonne force. Ils vont se rattraper dans le sommeil. Donc, c'est ce que Tanti disait à Suzanne. Pour dire que c'est pas parce qu'Ivy arrive là-bas, tu as te laissé tout de suite, tu as tout dit là-bas. Parce que si affaire sort là-bas, là, moi je ne suis pas dedans. C'est ce que Tanti voulait dire dans son direct. Que c'est pas. Ivy maintenant veut te prendre pour justifier le fait qu'elle est dans la religion pour justifier ça. Bref, en gros, vraiment ce que Tanti voulait dire. Ivy aussi peut-être que c'est une cogneuse de tête là-bas. C'est les propos de Tanti que j'essaie de mettre aux choses, quoi. Vous comprenez? Tanti a dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est tout ce que... Donc, pour vous, oui, c'est pas sage, mais elle a dit, Tanti a dit, ici, on vient dire que c'est pas sage. Merci pour les étoiles. Ici, devant, dans mon direct, ici, vous dites que c'est pas sage. Mais quand Ivy parle de la famille là-bas, là-bas, est-ce que vous lui dites, c'est ce que Tanti a dit? On peut dire que non, Tanti est venu mettre sur la place publique, Tanti a fait ça, mais Tanti dit que quand Ivy parle là-bas, là, vous applaudissez là-bas, vous lancez les cœurs sur Ivy. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va dire la vérité à Ivy que non, ça c'est affaire de famille, ne parle pas de ça. Ivy applaudit, donc c'est pour ça qu'elle, Tanti, elle est sortie. Pour dire que stop,
Parce que la façon dont ça s'est présenté, c'est comme Tanti a parlé à Ivy dans le noir. Chez nous, quand on dit Missy Popo, ça veut dire dans le noir. Tanti avait parlé à Ivy Dero dans le Missy Popo. Elle lui avait parlé là-bas. Mais Ivy Dero n'a pas compris partout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Tanti est sorti. C'est clair? Donc, on peut dire qu'elle a envoyé problème de famille, mais ce n'est pas Tanti qui a envoyé. Tanti est venu pour défendre la famille. C'est ce que Tanti a dit. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est demander pardon à Tanti. Faut laisser. Tu as déjà parlé une fois, tout et tout. Tu as donné un avertissement. Voilà. La famille est sacrée. Elles sont venues prendre les problèmes de famille pour venir parler. Mais parler des problèmes de famille dans direct, pourquoi? J'ai tel problème, j'ai tel problème, tout ça. Que quand Ivy Dero a des problèmes, c'est elle qui soutenait. Pas, quand les gens parlent là, oui, c'est vrai, hein, quelqu'un vient parler, mais il faut voir le message qui est derrière. Vous savez, il y a certaines personnes dans des familles, quand elles réussissent là, elles ne regardent plus les gens de la famille. Je n'ai pas dit le cas d'Ivy, mais la tante a soulevé ça. Quand elle dit que les mamans qui sont quittées à gauche, à droite là, ça veut dire qu'on néglige même les tantes qui t'avaient aidé, ou bien, ça dit, nous on regarde derrière ce que tante voulait dire. Là, ce que je suis en train de dire là, c'est derrière. Hein, je suis bien, j'ai parlé de devant, maintenant je parle de derrière ce que tante voulait dire. Il dit que les tantes intellectuelles des familles, il faut faire attention à elles. Leur affaire n'est pas facile. Donc, c'est ça. Donc, il y a tout ça dedans. Donc, ça veut dire que Ivy, son problème, ce n'est pas juste à l'extérieur avec les gens. Donc, il y a, ça veut dire que même dans le cercle familial, elle a des points. Ce que tantie a dit, que ça veut dire qu'Ivy ne s'entend pas avec tout le monde là-bas. C'est ce que tantie a dit. Vous comprenez? Les problèmes de la famille, on n'a pas besoin de venir parler des problèmes de famille en direct. Vous comprenez? Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de rentrer pour commander, mais ce qui est sûr, sachez que vous qui êtes là-bas, les étoiles, là, les étoiles de Ivy, donnez-lui des conseils. Le jour qu'elle fait un direct, qu'elle commence à parler des problèmes de famille, tout et tout, ben dites-lui tranquillement, non, arrête de parler. Ou bien des gens, si vous la connaissez, donnez-lui des conseils. Parce que c'est ce que sa tante lui a reproché. Parce que sa tante aussi qu'on a vu là, ah, son affaire n'est pas facile. Voilà, elle est venue dire, elle a dit un peu, parce qu'elle a dit que comme Ivy aime vidéo, donc elle est venue pour faire vidéo. Et puis bon, Kevin n'a qu'à faire vidéo, mais dans les humours qui n'ont rien à voir avec elle, avec leur famille. Tonton Marc Zopo. C'est donc, désormais, là, le tonton Marc Zopo a une concurrente ou bien une soeur comme porte-parole des familles, tout et tout. Si je ne m'abuse même là, Maman Tina était sur le direct. Elle a dit la Spenja. Elle a dit non. Donc, Maman Tina était. C'est pour dire que c'est pas une n'importe qui, c'est une grande dame. Si elle se connaît sans être là-bas, pardon. Donc, je vais laisser comme ça. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini. Je vais m'occuper pour préparer ma journée de demain. Ciao, ciao. Au revoir.